Aujourd'hui, ce samedi 20 janvier 2018, nous sommes ici réunis avec plus de 15 associations pour une journée citoyenne dans le cadre du OFF des Assises européennes de la transition énergétique. L'événement réunit 17 associations différentes qui couvrent tous les domaines de la transition énergétique et écologique. Ce qui est essentiel aussi pour nous, et c'est pour ça que c'est tellement important qu'il y ait eu tellement de monde aujourd'hui, c'est qu'en fait, les projets, les changements doivent être portés, certes, par les responsables, par les élus. C'est beaucoup les citoyens qui peuvent influer sur les décisions. On se prend à rêver qu'effectivement, on va créer notre tonneau en transition, notre territoire en transition, notre Chablais en transition. Marcher au bord du lac, c'est aussi faire appliquer la servitude de marchepied qui veut que les riverains, tous les riverains publics comme privés, laissent un passage le long du lac. Depuis 4 ans là qu'on existe, là, depuis un an, on perçoit des avancées. On le fait en concertation avec tout le monde, avec les politiques, avec les maires. Certains sont plus frileux que d'autres. Bon, donc, on continue à avancer, mais on arrive à débloquer point par point. D'ici 2 ou 3 ans, on aura des progrès remarquables sur le linéaire côté français. Pour notre association, donc l'ACPAT, cette journée représente l'occasion d'un petit peu exprimer toutes nos attentes vis-à-vis des décisions politiques aussi à un moment ou à un autre, qui doivent être prises en faveur de la transition écologique, du changement de mode de déplacement notamment, parce que nous, on est une association qui œuvre pour préserver la nature et ça ne pourra pas se faire si on continue à développer les modes de transport individuels tels qu'ils sont à présent. Parce qu'actuellement, tout le monde est tout seul dans sa voiture et fait toujours le même trajet à la queue leu-leu dans des embouteillages. On n'est pas pris dans des embouteillages, on crée des embouteillages. Si on met en place des trains un peu plus réguliers, si on met en place des lignes de bus en site propre, c'est sûr que les gens auront tendance à délaisser un petit peu plus leur voiture et on aura fait un grand chemin. Il faut se mobiliser parce qu'on n'est pas beaucoup à le faire et pourtant si on n'agit pas de manière collective et globale, on n'arrivera pas à limiter les impacts de notre consommation sur la planète. La prise de conscience chez les jeunes est vraiment importante. Elle n'est pas encore globale, elle est plutôt progressive, mais il y en a de plus en plus qui commencent à comprendre que leur consommation a vraiment un impact sur la planète. Donc ils commencent à comprendre que c'est pas forcément bien d'acheter du Nutella parce que ça déforeste de l'autre côté de la planète. C'est pas forcément bien de manger de la viande tous les jours parce qu'il contribue à la maltraitance des animaux dans les abattoirs. Donc je pense voilà, que c'est important que les jeunes prennent conscience parce que c'est eux les acteurs de demain. Bonjour. Bienvenue en Mersheim. Notre village est en transition. Ce film s'appelle Qu'est-ce qu'on attend ? Parce qu'on voit comment dans un petit village alsacien, 2200 habitants, eh bien, on peut relever les défis du 21e siècle, c'est-à-dire le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité. Ce que dit ce film, c'est que d'abord, il ne faut pas mettre une croix sur les élus locaux, au contraire. Ce sont eux qui sont le plus à même d'être attentifs à ce genre de demande de la société civile qui est de plus en plus importante. Il faut évidemment aussi convaincre les élus nationaux que c'est ça qu'il faut faire si on veut arrêter le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, les pollutions sous toutes leurs formes, sans parler du chômage qui accompagne ce modèle qui est complètement à bout de souffle. Il y a plus de 700 élus qui sont venus visiter la commune hein, pour voir comment elle avait fait. Donc ça peut inspirer des élus et des citoyens évidemment, hein, parce que là ce qu'on voit c'est comment des citoyens avec des élus arrivent à mettre sur pied un programme de transition extrêmement ambitieux ensemble.